Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Imperator Rome. Comme vous le voyez, nous sommes en début de... Enfin, nous sommes sur la page d'accueil du jeu. Tout simplement parce que la suite de l'épisode 8, hein, qui s'est passé hier mardi en live, c'est pas très bien passé. Hein. Après la défaite contre Syracuse, on s'est fait un petit peu rouler dessus par Rome. Ainsi que par les autres pays qui étaient au sud de l'Italie. Donc on avait recommencé la partie, on avait avancé, et cette fois-ci, Carthage n'est pas venu nous embêter, mais c'est Rome, encore une fois, qui nous a achevés, et nous a tout simplement écrasés, et on ne pouvait pas faire grand-chose. On avait pourtant pris pas mal de territoire, mais pas suffisamment pour pouvoir résister à Rome, et pas suffisamment pour qu'on ait des alliés assez intéressants pour nous aider. Et apparemment, le jeu est fait de telle sorte que si les alliés sont pas en contact directement avec votre territoire, c'est assez difficile. Alors, ce que je fais, ce sont des épisodes de 30 minutes, c'est pas un live à proprement parler, même si il y a le chat à côté avec qui j'interagirai de temps à autre. On va faire des épisodes de 30 minutes, donc vous allez voir avec des coupures, hein, comme je faisais plus avant comme épisode, tout simplement pour avoir une meilleure gestion des épisodes, pour pouvoir aller un peu plus de l'avant. Donc vous inquiétez pas, les épisodes dureront toujours 30 minutes, il y aura toujours un petit peu ce genre de choses, un peu d'interaction, mais pas vraiment de nouveautés. Donc l'idée, c'est bien sûr d'aller de l'avant, d'essayer d'apprendre de nos erreurs et de progresser. Donc, on a appris pas mal de choses quand même avec les différentes défaites que l'on a eues. Donc, on va essayer de mettre à profit ces défaites pour progresser et aller plus de l'avant. Alors, bon, je vais pas forcément tout expliquer les événements, parce que dans l'idée, c'est d'essayer de les faire, de faire des choses qui ont déjà été faites et surtout que j'expliquerai peut-être plus tard. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à la rigueur. Mais l'idée pour moi c'est quand même d'avancer et de proposer des guerres assez intéressantes. Alors attendez, on va faire comme ça, comme ça. Il faut que je recrute des armées, j'ai dit. On va recruter 10 000 hommes. On va se marier. Alors, il nous faudrait une femme qui nous qui soit complémentaire avec nos besoins. Bah, cette femme-là est très bien. 9-8, c'est plutôt même excellent. Elle est débonnaire et fourbe. Corruption mensuelle. Bon, pourquoi pas. Pas très grave. On va demander à Hadès pour avoir l'argent, bien sûr. On va prendre... un amiral, qu'est-ce qu'il a comme bonus? Audacieux, d'accord. Dommage infligé au navire, plus 5%. Très très bon amiral en fait. Revenus fiscaux moins 10%, mais il dirige pas le pays donc tout va bien. Et on va prendre une expérience de départ pour qu'on ait des soldats qui aient déjà de l'expérience au début. Une limite de ravitaillement, peut-être de l'argent. Revenus fiscaux, bien sûr. Production des tribaux, bien sûr aussi. Recouvrement du moral, ça sera parfait. Et on va aussi faire notre mission de la Grande Grèce. Voilà, elle est en cours. On va essayer d'avoir des revendications sur un petit peu 9-4, 9-8, jolie épouse, oui, en effet, hein, plutôt très très bonne épouse, qui nous complète bien, vous voyez que... on est à 10 en militaire, mais elle pourrait nous donner des bonus non négligeables pour la suite, donc ça pourrait être tout à fait intéressant. En effet, tu as raison, Falseag. Donc, on va avancer, on va avoir les événements pour avoir les revendications. On va essayer de partir rapidement en guerre, si possible avant que eux ne fassent des revendications supplémentaires ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait que je lance les alliances. Les améliorations de relations avec nos vassaux. Pour qu'ils viennent bien nous aider. Donc l'idée, ça va être de se mettre en position pour pouvoir tabasser rapidement nos adversaires. L'attitude belliqueuse est toujours mieux. Et je pense qu'on va devoir... là, il est pas trop mal placé, on pourra peut-être l'attaquer directement. Faudrait voir les territoires où est-ce qu'on a des franchissements de rivières. Est-ce qu'on a cette information-là?
Est-ce qu'on a du franchissement de rivière? Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, on verra ça au cours de la bataille. L'idée, ça serait que le moral de nos troupes remonte rapidement. Là, il est pas très haut, hein. Il est qu'à 1,40 sur 2,25, c'est pas suffisant. Mais si on peut avoir un moral qui est un peu plus haut de 17 et ça passe à 2,15, d'accord. On va essayer de surveiller ça et de faire la guerre rapidement avant qu'il y ait une quelconque alliance. On va peut-être attendre le mois de... Attendre peut-être le mois de janvier. Ok, le 2 janvier est là, on n'a pas le moral à fond, mais on est en position. Donc on va pouvoir attaquer. Surtout éviter un recrutement de levée, quelle qu'elle soit, pour bloquer les adversaires. Donc on demande l'aide des Bruteiens, qui se feront certainement attaquer par les Lucaniens et les Samnites. Pas très grave. Ok, donc nos alliés ont bien honoré notre demande. Nous, on attaque. Bien sûr, pas question de laisser passer quoi que ce soit. Nos vassaux viennent nous aider directement. Ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir prendre le premier territoire. Et on va peut-être même demander... Non, on n'est pas pacifique. On va peut-être demander... ok, ça, c'est pas mal. On va peut-être demander à nos vassaux de se rattacher à nous dans un premier temps. Non, ils sont pas toujours intéressants à prendre les traits comme ça, mais bon, ça peut avoir une valeur non négligeable. Par contre, pénalité liée aux attaques. D'accord. Victoire. Et on va pouvoir écraser l'armée suivante. Ok, donc c'est eux qui ont la pénalité pour l'instant. Cet homme-là devient... Non, on va gagner en popularité. Notre morale est pas au beau fixe, hein, par contre. Ok. Donc, on a écrasé leurs armées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de plus s'attacher à nous. Et peut-être d'aller prendre... Alors, on peut pas leur demander spécifiquement de prendre des territoires. Mais on voit qu'il y a des batailles quand même qui sont intéressantes. Ils commencent à siéger, etc. Nous, si on arrive à prendre déjà ça, on arrivera à les virer de la guerre rapidement. Et on va essayer de continuer de gagner de l'argent. Pour l'instant, il nous faut encore 1300 hommes. On en gagne 192. Ce qui était un peu léger. Par contre, ça, cette armée-là n'était pas forcément besoin. Les Bruteiens n'avaient pas besoin de perdre forcément 700 troupes. C'était pas leur meilleure idée. Peut-être que la limite de ravitaillement pourrait nous aider un petit peu. Faut qu'on fasse attention quand même à l'argent. Parce qu'on a besoin d'en conserver un petit peu. Trente points d'avancée religieuse. Un chercheur se dit sur le point de faire une avancée importante dans ses recherches. Tout ce dont il a besoin serait de ressources en plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, bon, faudra qu'on baisse la corruption par contre. Parce que sinon, ça va être gênant. Si on arrive à prendre les territoires ici assez rapidement, on va pouvoir, je pense, plus facilement. Est-ce qu'on. Toi, t'es allié à qui? T'es allié à qui, toi? T'es allié à Crotone et à nous. Est-ce qu'on a une revendication sur Crotone? Faudra voir, hein. Oula. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est une bonne chose, ça. Bonne prise de guerre. Ça écrase des armées, ça m'arrange. Parce que toute armée écrasée, s'ils prennent en plus le fort ici, on va pouvoir faire de la bonne prise de territoire. J'espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'on perd encore des hommes? Non, pour l'instant ça revient. On revient à peu près... on a toujours une petite perte, mais les pertes sont acceptables pour le moment. Qu'est-ce qu'on est là-dessus? Ok, et là, ok, d'accord, c'est parfait. Pour l'instant, ça va à peu près. Le siège ici, malheureusement, ne se tient pas. J'aimerais bien qu'ils fassent le siège. C'est dommage qu'on puisse pas demander à nos alliés. D'accord.
Est-ce qu'on a une revendication sur lui? Je veux juste voir déclarer la guerre. Oui, on pourra prendre la Calabre, donc c'est bon. On a la revendication sur Croton. Pas besoin d'en faire une pour le moment. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va essayer de prendre ce territoire-là pour que leurs armées totales diminuent. Parce qu'on voit que les Sicules ont quelques armées. Est-ce qu'on peut voir les armées des Sicules? Pas vraiment. Dommage. 35%, ok. On voit le nombre de cohortes en combat, etc. Mais on voit pas vraiment ce que je veux voir. Bon, on va essayer de prendre le territoire, ça serait bien. Allez, avance. Ah, d'accord, épargnons les civils pour l'instant. On va prendre l'argent, c'est parfait. Et on va aller sur l'autre prise de territoire là-bas. Pour les bloquer. On peut d'ailleurs utiliser notre flotte qu'on n'a pas très bien utilisée sur le précédent truc. Modification de denrées. Puissance des présages, ça c'est bien. Ça va faire que le présage nous rapportera peut-être plus d'argent aussi. Répression des massiles. Ouais, mais les massiles. Ils sont alliés à qui les massiles? À personne et ils ont tout Syracuse contre eux. On a besoin de l'argent, tant pis pour les massiles pour l'instant. Je peux pas me le permettre pour le moment, on va garder notre argent, on va éviter de se mettre dans le rouge inutilement. Ok. Toi, déjà, négocier la paix, tu me donnes ton territoire, au revoir. Ça fait moins d'armées chez l'adversaire. Prisonnier étranger. Un Region, mais je m'en fous. Dégâts dont j'ai rien à faire, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voyez qu'ils ont 11 000 troupes hein, encore, mais nous, nos troupes, nos 10 cohortes vont faire le travail. Si on prend les territoires ici, ben ça fera plus que ces deux armées-là, donc ça sera parfait. Et nous, on est en position pour faire tous les sièges. Donc, moi, ça me va très bien. Pas perdu trop d'armées. En plus, on a des hommes qui rejoignent le pays. Donc, ça va à peu près pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas géré les effectifs. Céréales provenant de la Sicile, accepté. Est-ce qu'on peut avoir du commerce, pas spécifiquement. Là, est-ce qu'on peut avoir du commerce ici? Du bétail, vitesse de promotion, effectif, plus important. Les céréales, c'est pas mal pour avoir plus d'armées. Le poisson satisfaction des hommes libres, ça me plaît. On va essayer de progresser là-dessus. On est à 7% hein, sur le siège de Calacta. Va falloir qu'on mette de l'argent aussi dans nos bâtiments. Et pour l'instant, notre allié n'a pas l'air de trop se faire attaquer pour le moment, donc ça va à peu près. Est-ce qu'on pourrait pas faire... Non, ça c'est à 80, c'est très cher. Est-ce que toi tu peux faire une attaque quelconque? Ah, il faut au moins 5 navires lourds. On n'a pas de navires lourds. Enfin, on n'a que 2 navires lourds, donc pas de quoi prendre des forts. Première ligne, on a mis quoi? Les Tréèdres, des Tréèdres. Deuxième ligne, les Octères. Et ensuite, les unités d'ailes seront les Lembos. Enfin, les petites unités. Donc, ok, donc ça c'est bon, ce fort-là tombe. Parfait. Pour l'instant, ça va à peu près, hein. On tient à peu près ce qu'on veut tenir. Ok. Donc, paix, bien sûr. Et amour, tout ça. Il reste plus que 6 000 hommes en face. Donc on aura fait une guerre plutôt efficace. Le fort qui est ici, j'en ai pas spécialement besoin. Est-ce que j'ai un fort là ou pas? Non, j'ai pas de fort là. Donc ce fort là, oui, non, faut que je garde ce fort là alors. Si j'ai pas ce fort, j'ai pas de fort ici. Ou alors il faudra que je fasse un fort ici pour pouvoir mettre la pression sur
Les territoires carthaginois s'ils nous attaquent. Il nous faut la Grande Grèce. On a une fille, très bien. La Syracusaine, malheureusement, il nous faudrait Malte. Et faire des profits, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait tout ce territoire-là. Ça, on pourra le faire. Une fois qu'on aura tout le territoire, on pourra avoir... Pourquoi cet homme-là est arrivé de l'étranger? L'un des derniers vétérans des légendaires boucliers d'argent. Ouais, ça pourrait être un bon général. Pourquoi pas, si on a besoin d'avoir deux armées. Ça pourra faire un bon chercheur aussi, pourquoi pas. Paix, amour et massacre des dirigeants vaincus, c'est exactement ça. Et nous avons Kalinès qui va être notre fille. Et notre femme est morte en couche, malheureusement. C'est dommage parce que c'était plutôt intéressant ce qu'elle avait à nous proposer. Mais cette jeune femme est pas mal, hein. 8-8. C'est plutôt pas mal aussi. Ok. Bon, on a 60 ans. Et normalement, la mort de notre dirigeant, on aura la prise. Alors ça, par contre, ça va, on va attaquer. Hein. On aura la guerre contre Messana qui va arriver à la mort du dirigeant. Oh! Ces lopins accordés aux vétérans après les guerres ne sont pas que la reconnaissance des services qu'ils ont rendus à Syracuse. Parfois, cependant, l'appel des combats et de la gloire peut être trop fort pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mener une vie de labeur ingrat. Ainsi, à Syracusaï, le dernier hiver a été mauvais, au point de pousser des vétérans qui travaillaient les terres autour de la cité à se réengager dans l'armée. Ils ont laissé derrière eux de vastes portions de terres arables, désormais laissées en friche. Nous les avons donc reprises afin qu'elles redeviennent productives pour le pays. Donc on gagne 999 de réserves militaires. L'agitation locale baisse de 1. Et les revenus fiscaux locaux, pardon, montent de 15%. Plutôt une bonne prise pour le coup. Ça pourrait être sympa. Est-ce qu'on pourrait avoir la petite bataille qui va bien là-bas? Bon, les gars, je suis en train de perdre des hommes là. Parce que je viens de traverser un détroit et que vous venez pas m'aider. Donc ça fait mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ok. Territoire pris, guerre finie. Vitesse de fabrication des revendications. On va prendre peut-être les navires d'abord. Ok, 100%. Merci. Ok. Ça m'arrange. On va venir maintenant s'attaquer à lui qui n'a pas d'allié. Il est en guerre contre les... Ah, c'est un allié de Carthage. Ah. Ah, ça c'est gênant par contre. Lui en allié de Carthage, ça me gêne beaucoup. Ouais, c'est un gros problème ça, lui en allié de Carthage. Parce que si je l'attaque, Carthage viendrait, mais les autres ne viendraient pas. Peut-être falloir laisser de côté, mais on a deux forts ici, un troisième là. Mais il peut passer quand même. Production de verre de Siculi. Est-ce qu'on peut pas l'avoir la production de verre? Bon, ok, pour avoir plus d'argent, pourquoi pas. N'a pas mieux d'argent pour le moment. Ok. Toi, t'es allié à qui? Tu verses un tribut aux Brutéiens. Ok. Et toi? T'es en guerre contre les Lucaniens et les Samnites. Héraclée. Touroy, c'est quoi ça?
Ah. Et il est allié à nous uniquement. Est-ce qu'on leur ferait pas la guerre en attaquant les Bruteiens, en prenant Hipponion, Croton, etc. Si je fais ça, est-ce que ça me pose un problème quelconque? Non. On briserait juste notre alliance avec... J'ai envie de dire qu'on a déjà des armées. Je pense qu'on va attaquer directement. Ils ont quoi comme armée? Ils ont que 5 régiments, on en a 10. Si on se débrouille bien, toi on a dit que t'avais lui et lui comme vassaux. Et Ailé, c'est où Ailé? D'accord, Ailé c'est là-bas, ok. Donc ça pourrait être intéressant, on pourrait monter jusque-là en prise de territoire, attaquer Croton et on voit qu'il y a une guerre entre Rome. Ah d'accord, Rome a beaucoup de guerres sur les bras, donc franchement il faut en profiter, je pense. Véritablement. Par contre, la construction d'un fort ici, c'est non. Je n'ai pas besoin de fort ici, merci. On va mettre la vitesse de fabrication des revendications. Et malheureusement, lui, on va devoir le laisser intact jusqu'à ce qu'il soit, qu'il ait des problèmes avec ses, avec. D'autres personnes. Et toi, tu as toujours 5 régiments. Tu as aussi une rébellion qui va éclater dans 12 mois, donc ça m'arrange. On peut peut-être laisser un peu de temps, le temps que notre économie monte légèrement à flot. Mes bateaux, oui, il va falloir. Est-ce que mes bateaux ont subi une quelconque de ce quelconque dégât? Non, on a gagné. J'ai tous mes bateaux là, on est d'accord? On a gagné. Et victoire encore une fois. Et on a gagné encore 3 bateaux supplémentaires. Non, c'est bien, notre flotte augmente. Par contre, faut les réparer, bien sûr. Donc on va pas pouvoir les utiliser tant qu'ils sont pas réparés. Ok. On va déclarer la guerre à cet homme-là. Prendre la Calabre, bien sûr. Pourquoi nos vassaux viendraient pas? Dépendance déloyale. Ah mince, les dépendances sont déloyales. Ouais, on peut pas attaquer si nos dépendances sont déloyales. Modification de denrées, valeur des importations. Ça serait bien, ça rapporterait plus d'argent. Donc ouais, on va... Ah oui, l'archonte de Region. Donc normalement, Region nous appréciera un peu plus et sera plus encline à venir faire la guerre avec nous, non? Non, ils sont tous déloyaux pour l'instant, d'accord. Toi, t'as qui comme allié? Toujours Carthage. Ça pose problème, ça. Et toi, t'es allié à Carthage aussi? Allié à Carthage, oui, en effet. Donc les Massaïciles en profitent pour attaquer les Massiles, ok. Et là, il y a une grosse bataille. Jeux olympiques. On a un membre ici et on a un chercheur. On va pas envoyer le chercheur. On va envoyer le. On va envoyer Néoptolémos. Parce que j'ai pas envie. J'ai envie que mes vassaux, par contre, viennent. Ah, Région est loyal. Bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit passé au-dessus des 100, hein. J'ai bien l'impression qu'il faut qu'ils soient au-dessus de 100 pour être loyaux. On gagne combien par mois? On va accélérer un peu la vitesse pour avoir l'idée.
Ouais, arrêtez de vous battre. Ça avance rien. Ça avance rien et ça me dérange ça. Est-ce qu'on pourrait pas recruter peut-être au moins... Ah bah non, ça demande 16. Bon, on n'a pas réussi à gagner, mais tant pis, c'est pas grave. Bon, comment sont les bateaux pour l'instant? Les bateaux sont plus ou moins réparés, ils sont réparés, ils sont plutôt pas mal. Avec une bonne expérience du combat, donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir devenir une puissance maritime sans trop faire la guerre, enfin sans trop construire de bateaux. En prenant des bateaux, ça pourrait être sympa. Après, on aura le nombre pour nous, peut-être. Ok, est-ce qu'ils sont devenus loyaux? Non, pas mieux, hein. Bon, notre... on a quand même quelques trucs qui progressent. Et Rome a l'air de s'en sortir un petit peu. J'ai pas l'impression que ça se passe trop mal pour eux, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une alliance avec eux? Non, ils nous aiment pas, hein. Ils sont trop gros en termes de puissance, une puissance régionale, ce qui n'est pas notre cas. Là, ils vont construire un fort, hein, de niveau 2, ce qui va être gênant à prendre, long à prendre. Ok, 98, ça devient un peu plus acceptable. Donc, l'ocre, etc. Bruténien appelle aux armes. Alors, est-ce qu'on peut contourner ça en faisant déclaration de guerre contre Élé? Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Ah, d'accord, il demande à... Bah, on va accepter. Et on va prendre ça pour nous. Modification mensuelle. Des denrées, oui. On va tout mettre dans la technologie pour qu'on soit à niveau. Et on peut peut-être attraper la flotte qui est ici, là. Regardez, une petite flotte où on récupère un petit bateau tranquillement. L'air de rien. Pendant que des pirates avec 16 navires légers, on pourrait peut-être se les faire les navires légers d'ailleurs. On va essayer. J'espère qu'on va pouvoir prendre le pays. Si on peut capturer ce territoire-là, ça serait bien, hein. On va essayer de les prendre pour nous, on va voir ce que ça donne. En espérant qu'on nous les fasse pas mettre tributaires. Bon, on va ranger les bateaux parce qu'il n'y a pas d'armée là où je voulais attraper une armée. Alors, comment savoir quelle dépendance est loyale ou pas? Est-ce que toi, t'es loyal? Non, je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Bah, chasser les pirates, en fait, l'avantage, ça serait de pouvoir... quand vous faites des batailles navales, vous avez des chances de récupérer des bateaux. Donc, forcément que c'est arrangeant, puisque tous les... Voilà. Si j'arrive à attraper les navires pirates... Oui, ça, c'est bien. Si j'arrive à attraper des navires... Ok. Voilà, par exemple, je viens de récupérer 4 navires supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Alors mes navires sont pas en bon état, donc c'est pour ça qu'il faut aller les réparer ensuite, bien sûr. Très important la réparation des navires. Et on récupère par mois 10% à chaque fois. Donc si notre flotte augmente, alors bien sûr elle va augmenter en coût également, mais on peut baisser après le coût de maintenance des flottes. Donc ça peut être avantageux aussi. Notre héritier tombe malade et a la dysenterie. Malheureusement, ça c'est pas une bonne nouvelle. Nos bateaux sont quasiment réparés, voilà, 100%. Et on a une flotte de pirates qui vient ici, qui est composée surtout de navires légers. Donc c'est les navires qui sont là, les Liburniens. C'est les vaisseaux les plus légers qu'on a.
On a des vaisseaux intermédiaires et des vaisseaux lourds. Donc on peut intercepter. Et ça peut être intéressant ensuite pour détruire des navires. Voilà, on a la bataille. Et voyez qu'on a une plus grosse flotte. Alors, il va falloir qu'on choisisse à un moment une tactique militaire. Ah là, nos navires lourds, ils font qu'une bouchée. Et on a capturé un navire adverse. Est-ce qu'on n'aurait pas une tactique de flotte de type harcèlement qui est meilleure contre la charge frontale? Donc on va prendre ça. Et eux vont où? Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'aller bien pour nous. Et nos vassaux nous apprécient un peu plus. On va surveiller aussi cet homme-là, quelles sont ses alliances. Il n'est plus en guerre. Donc les... Bon, bah les Maécécile ont été... Les Massiles ont été intégrés à Carthage, malheureusement. Est-ce que Carthage nous en veut ou pas? Plutôt, hein. Mais on commence à avoir une petite flotte. Une petite flotte, c'est mieux que rien. C'est pas excellent, mais c'est toujours plus intéressant. Ça coûte cher de faire des gros bateaux? Oui, ça coûte cher en entretien. Et ça coûte... Bon, ça a un prix aussi, bien évidemment. Mais c'est plus intéressant quand... Quand on arrive à faire ce qu'on veut. On va aller essayer de prendre ce territoire là-bas. Pour nous. Et forcer peut-être à récupérer les territoires pour nous. On fera peut-être une paix où on récupère tous les territoires. On verra. On va voir comment les Bruteiens règlent leur rébellion. Aussi bien nous on quittera la guerre en prenant les territoires. On peut peut-être demander, tu vois, en prenant le territoire. Bon, bah pour l'instant ils sont pas d'accord. Mais voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Pas pour le live, bien évidemment, hein, pour ceux qui sont en train de le regarder. L'épisode dure, a duré une demi-heure. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On va continuer tranquillement dans le prochain. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à suivre les autres épisodes qui sont présents sur la chaîne YouTube, à venir voir également les lives, hein, pour participer soit aux enregistrements, soit voir un petit peu les lives détente, etc. Allez sur le Discord également, alors j'essaierai de mettre le lien dans la description parce que je l'oublie très souvent, mais bon, bien évidemment, pour ceux qui sont en live, vous avez le point d'exclamation Discord pour avoir le lien du Discord et aller participer avec la communauté Twitch et YouTube qui est présente, bien évidemment. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!